Vous n'avez rien à dire? Pas d'explication à me donner? C'est mon oncle, si, quand même. Qui vous a autorisé à organiser ici cette fois? Je croyais vous avoir dit une fois pour toutes que cette maison était à moi. Bien sûr, mon oncle, mais... Écoute-moi et tais-toi! Pour la dernière fois que je vous tolère ici aujourd'hui, à partir de demain, vous me ferez le plaisir de me foutre le camp. Et je ne vous revois plus jamais. Mon oncle, vous oubliez que... Non! À la mort de votre mère, je vous ai recueilli par charité. Il y a 5 ans que je vous supporte. À cause de vous, je ne suis plus chez moi. Ben ça, vous nous l'avez assez répété. Je ne vous répéterai plus, j'ai fait assez de largesse. Mais mon oncle, laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, mon oncle, que ce soit. Non! Mais mon oncle, vous... Il n'y a pas de même, mon oncle. Je ne veux rien savoir. Vous cherchez à vous excuser parce que mon argent vous intéresse? Eh bien, sachez que vous n'aurez rien, moi, vous entendez? Demain, j'en ferai mon testament et vous n'aurez pas un sou, vous entendez? Pas un sou! Ça n'est pas la peine de me regarder comme ça. Vous ne me ferez pas pitié. Ça ne changera rien. Apportez-moi un verre d'eau. Pas un sou!